Communiqué. Le Comité national du Rassemblement pour le développement a reçu ce jour, mercredi 2 février 2022, les administrateurs des cités, de chemin de fer, de la police, de la douane, de la résidence 2000, de l'imprimerie Patrice Lumumba et du domaine public maritime sur la corniche nord derrière le camp Kamayen. À cette occasion, il a été notifié que les dix domaines sont et demeurent propriété de l'État. Par conséquent, les administrateurs ont été mis en demeure de procéder à un transfert de gestion à l'État guinéen avant le jeudi 10 février 2022 à minuit. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que cette mesure est le début d'une série d'actions qui vont se poursuivre jusqu'à la récupération totale et définitive de tous les patrimoines bâtis et non bâtis de l'État. Conakry, le 2 février 2022, le CNRD.